Vivez une nouvelle expérience d'escape game avec des nouvelles énigmes, des événements directs et une aventure dans les étoiles. Ok, c'est parti. Ah, non, c'est pas parti en fait, il faut attendre le décompte. Puis j'ai acheté la meilleure danse. C'est parti! Un astronaute doit partir de la planète Choupa-Djalf à la recherche d'un antidote rare pour sauver la population d'un virus. Mon objectif est de trouver cet antidote pour sauver la planète. Ok chef, allons-y! C'est parti, let's go! Choisis ta langue. Bah, French, hein, mon pote. Configuration de la langue. Oula, je viens de me réveiller. Vite! Je dois aller au centre de lancement. Malheureusement, la porte est verrouillée. Je dois trouver la clé. Ok. Prendre le badge. Ça marche! Non, cette porte est verrouillée. Ok, checkpoint, l'aventure commence réellement. D'accord. Oula! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ok, la salle est verrouillée. Générateur désactivé. Il faut donc activer le générateur sans doute. Coupure de courant, porte déconnectée. D'accord. ZZZ. Tu. Qu'est-ce qu'on a désactivé? Ok, on a ouvert cette porte. En route vers la fusée. Ce n'est pas si simple que ça, si. Non. On peut passer là? Ouais. Oups. Je sais pas s'il faut les ramasser, mais. Je ramasse, hein. Et voilà. Vérifions qu'il n'y a rien d'autre. Non, ça va, ça va. On y va. Du coup, il nous reste cette petite porte. Oh là là, il y a trop de chemin. Ok, celle-là, il n'y a rien. Du coup, ici, on passe par là. Ok, on a le checkpoint. On avance. Oh, un claptrap! En plus, il y a des petits lags, mais je pense que c'est pas dû à la map, mais c'est dû au fait que je télécharge Borderlands 3. Salut, je m'appelle Bob. Je vais t'accompagner durant ton aventure. Si tu me crois sur ton chemin et que tu as un souci, viens me voir. Allez, j'espère que vous êtes prêts à décoller. Je vous laisse ouvrir la grande porte. Voilà, go! Je fais les effets spéciaux en fait. Stargate SG1. Oh là là, la grande fusée, ah ouais, il blague pas. Checkpoint. Bon, nous devons démarrer cette fusée. Putain, j'avoue, c'est stylé, hein. C'est stylé de ouf. Très beau. Tiens, des trucs. Ok, là-bas, on a vu le bouton à l'intérieur de cette zone. Une bombe. Genre, il faut... Quoi? Il nous faut une bombe. Quoi que. Ah, claptrap. L'addition sera la clé. Oh ouais, yes. Merci de m'aider, hein. C'est très important. Ça m'aide beaucoup, chef. Addition sera la clé. Oh, il y a un bouton, là. Il y a un énorme bouton, même. Attends, mais comment je l'atteins, lui? Attends, on peut faire un jump du futur ou quoi? Ok, c'est peut-être une épreuve jump. Ah bah voilà. On va checker, voir s'il n'y a pas une porte qui s'est ouverte. Moi, je dirais que c'est celle-ci. Oui, let's go. C'est celle-ci qui s'est ouverte. Ok, parlez. Ordinateur. Ok.
Faut donc que je trouve un ordinateur. Computer. Fuck. Ça donne des millions de choix. Ah bah. Bombe. Let's go. Bon voilà. Let's go. Let's go. Ça a été rapide en fait. Clap drop. Allez hop, tiens. Prends ça mon pote. Ouverture. Oh damn, Daniel. Trouve des informations pour déchiffrer le code. Ah, 56. Ok. 18. On note les amis, on note. Ah ici. 99. Ok, c'est toujours ces trucs là en noir là. 41, c'était sûr en fait. Ok, let's go. Ok, il m'en manquait un. Le 32. Du coup, 214 plus 32. 246. Let's go. Interact. Lancer. Ok, faut rester appuyé. 44 secondes. What? 10? Ça va faire quoi? La fusée, elle va se barrer? Ah, faut se mettre ici. Hippie, hippie. Oh, les lumières! Wow! On est d'accord que je dois rester là, hein? Wouhou! C'était stylé. Oh, la fusée, elle va décoller. Wouah, on est dans la fusée. Trop stylé, trop stylé. Ok, la porte est verrouillée. On a un claptrap. Nous sommes à court de carburant. Allez vite en chercher au sous-sol. Il faut vite reprendre le contrôle. D'accord. Par contre, à noter que, en fait, en fonction de la salle où vous allez spawn, bah, le badge ne sera pas forcément à la même place que moi. Ok, il y a un autre passage là-haut. Ok, elles sont ici les pièces. Elle avait peut-être besoin que d'une, je pense. Oui, c'est bon, on peut avancer. On a un petit passage dans les conduits. Oh, gauche, droite, oh non, c'est un labyrinthe. Hey, ils kiffent trop les labyrinthes en ce moment, la team Jaff, là. Arrêtez avec les labyrinthes, hein. À faire la technique. Toujours à gauche. Ok, la technique de toujours à gauche, ça marche. Attends, quoi? Oui, 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 c'est pas la même salle. J'ai flippé. Ok, ingrédients de potion, 3 fragments. D'accord. D'accord, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a un passage en dessous, non? Non. Par contre, ça, c'est un fragment, non? Non. Violet, rouge et vert. Violet! Ok! On a trouvé le violet. Le rouge, on sait où il est. Rouge. Et maintenant, faut qu'on trouve le vert. Je me suis recoincé. Bah, il est là. Allez, bâtard, il est là. Bah, vous avez vu, la webcam est partie en gros, mais du coup, c'est pas grave. On va quand même refaire cette partie. On a trouvé la petite bombe. On va pouvoir continuer notre aventure. Du coup, je sais plus ou moins ce qu'il faut faire, déjà. Ok, on arrive par là. En fait, j'ai trop le seum, c'est qu'il y a des trucs que j'avais réussi à découvrir vraiment comme un pro, genre le passage qui sera là-bas, je l'avais découvert avant d'arriver ici. Du coup, j'avais le seum. Parce que je comprenais pas ce qu'il fallait faire. C'est bon, j'ai ouvert la porte 2. Les autres portes ne servent à rien. Et maintenant, il faut retourner. Ici, c'était un vrai labyrinthe, hein. Du coup, c'était chaud. En vrai, c'était grave chaud ici.
Je trouve... Où est-ce que je devais aller déjà? C'était par là, ouais. Hop, et après, on repart par en haut, tac tac. Ouais, let's go. Putain, j'ai une bonne mémoire pour le coup là. Hop, on continue. Après, techniquement, on va être coincé. En fait, c'est chiant que j'ai merdé là en appuyant sans faire exprès sur un raccourci. Parce que ça me... Voilà, il n'y avait plus le plaisir de découvrir. Là, je sais ce qu'il faut faire. Enfin, plus ou moins, hein, parce qu'elle était quand même compliquée la map. Ok. Et là, le bouton est vert. Là, ça, c'est des trucs que j'avais capté direct parce que on avait vu le bouton tout à l'heure qui était orange. On l'avait vu. Hop, c'est par là. Voilà. Parti, hop, tac. Et on enclenche. Bon, du coup, il nous disait « Il faut vite recalculer la trajectoire de la fusée. Je sens une présence. » Problème, nous captons un corps céleste qui s'approche de nous. Alerte ! Clap-trap, que devons-nous faire ? Les nerfs sont tendus ! Oh my god. Oh damn, Daniel ! Ça va péter! On est pas dans la merde là, il faut changer de cap, mon pote! Putain, vraiment, ouais. Erreur, erreur! Level up, avant de mourir! Oh là là, oh là là, oh là là! Boum! Ok, il faut sortir d'ici. Et voilà! C'est vraiment tout simple. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Bofi, même chaîne, même présentateur et même bonheur. Et comptez sur moi pour faire la partie 2. Allez, ciao !